On a constaté au bout de quelques mois que la facture était énorme et qu'on avait le choix entre diminuer le nombre de malades ou faire autre chose. Et c'est là où l'idée du laboratoire est née. On a démarré ce travail en deux mois. Cette étage qui devait être une étage de consultation s'est transformée en laboratoire médical. Ce que vous allez voir ici, c'est une histoire d'amour avant d'être un travail ou quelque chose. C'est une grande histoire d'amour avec l'Ordre de Mal qui a commencé depuis 20 ans. J'ai fait tout le design et tout s'est fait avec l'amour. L'Ordre de Mal m'a rendu mon sourire et je vais rendre le sourire à tous les gens. Aujourd'hui, je suis ému parce que il y a quelque temps, nous ne savions pas qu'un jour, nous pourrions, parmi les réalisations qui sont les nôtres, parmi nos ambitions qui peuvent paraître démesurées, nous pourrions atteindre des buts qui puissent nous émouvoir à nous-mêmes pour servir une cause que nous voulons être celle qui, un jour, participera à la rédemption de ce pays. Mais voir un centre aussi moderne et surtout mis à la disposition principalement des plus défavorisés et surtout grâce à toutes les compétences que je vois ici, un centre qui sera, c'est à l'évidence, pérenne, ça c'est très réjouissant. Je pense qu'il y a un élément très important qu'il faudrait retenir, c'est la dignité de l'homme. Parce qu'en disant le magisme, le davantage, l'excellence, on s'adresse à l'être humain pour qu'il soit lui-même, pour qu'il se réalise. On m'a soufflé que, il y a 3 ans, 4 ans, vous receviez beaucoup moins de gens. 80 patients par jour, vous êtes à plus de 400. Quelle est la structure qui peut absorber ça? Nous avons vu aujourd'hui que la santé ici est aussi vecteur d'amour, vecteur de réconciliation entre les gens, au-delà des communautés, au-delà des religions. Et aujourd'hui, je crois que c'est tellement important au Liban. Dans un contexte qui est quand même tellement difficile au Liban, de voir qu'on a une pépite, un centre d'espoir comme le vôtre. Et je suis heureuse qu'aujourd'hui, à vos côtés, aux côtés de la Fondation Père Fabre, aux côtés de l'Ordre de Mal, nous ayons de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour les mois et les années à venir.